Hop là, c'est parti. Warcanix 184, yop. Alors attends, est-ce que je prends l'initiative? Ce serait déjà bien ça. On fait un petit test, hein. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, tant pis. Hop là, c'est parti. Je vais voler comme un petit arabe du bas quartier. Je sais, je m'en fous. À la foutre, mes petits coups d'heure. On y va. Oh. Alors, il a combien feu? Oh, 39. Il en 12-6. Le yop est optimisé. Il a 40 niveaux de plus. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais il n'est pas impossible. On sait très bien que c'est pas impossible avec Maître Coudeur et sa petite roublarde. Rien n'est impossible. Mais la difficulté va être présente. Parce que là, il va rusher comme un pro. Il va rusher comme un pro, ce qui est logique. Donc moi, je dois le tuer au tour 4 max. Mais il a beaucoup de vie, donc ça va être chaud. Hein. À vrai dire, ça va être chaud. Je fais un petit don de PA. Hop. Je me cale une bombe par là. Là, il va bon. Il va rusher comme un fou, tu vois. Il va me mettre à mal, ce qui est logique. Alors pour l'instant il a pas puissance, je pense qu'il va garder sa puissance pour Coco. Il va bon, il va prendre la zone épée diop. Ou il va taper là, non je sais pas. Zone épée diop serait plus logique, non? Qu'est-ce que vous en pensez, coup des... Oh là, oh, 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 il précise direct pour tuer ma bombe et me taper moi. C'est pas mal. Après tu vois, là je suis pas maître de mon destin à vrai dire. Hein. Hop, hop, tac. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais récupérer un peu de vie sur lui. Hop, je vais le coller. Je le tacle ou pas? Non, pas d'un gramme. Donc il y en a rien à foutre. Putain, mais merde! En plus, il a. Ok, donc il va me rusher. Ouh, il me fait mal, hein. Il me fait mal. Pediop. Ok, il me reste 900 de vie. Il a la colère prochain tour. Ok, donc c'est maintenant qu'il faut que je fasse un petit truc, quoi. Alors, je vais faire. Je vais faire bot pour pas qu'il me tacle. Et je vais me casser, hein. On va se casser en Australie, mon pote. Est-ce que je suis encore Kaboom? Non, je suis plus Kaboom. Mais je peux m'en aller. Je vais en aller. Nanana. Si je vais là, là ou là. Là, mon choix, il va tout changer. À vrai dire. Ah! Faut que j'ai de la chatte. Faut que j'ai de la foufounette zère. Si j'ai pas de foufounette zère, je suis mort dans le film. Ah! Là, c'est ma chatte et moi. C'est la chatte du maître coup d'or. Ou rien. C'est ça qui va décliner la victoire. Non, me trouve pas. Épée diap ici. Ouf, je suis pas là. Je suis pas là non plus. Je suis pas là non plus. Ah, tape ici. Tape ici. Non. Ah. Si précis, il me tue ou pas? Pression, pression. Non. Dis-moi qu'il me tue pas. Non, c'est pas. Je survis. Oui. Ah, oui. La chatte du maître coup d'air, qu'est-ce qu'il y a? On a rien à foutre de tes deux petits points. Oh bordel de merde. Mes petits roros. Oui, je m'en fous. Vous avez. Hey, j'ai provoqué la foufounette. Je l'ai provoqué ou je l'ai pas provoqué? Rien à foutre moi. Je m'en siphonne le gland. Voilà. Et cri cri. Et stouf. Va te coucher. Bien joué Warcanix. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Ça nous fait plaisir. Après l'effort, le réconfort, pour me faire play cool, je vais me manger un petit Kinder. Allez, on se retrouve dans un prochain combat, parce que c'était assez rapide quand même. Bon. Je suis tombé sur un crafeux. Pas beaucoup de résistance, certes. Mais il va envoyer des rifles. Et ça, moi, c'est tout ce que je retiens. Les rifles, ça fait mal. Donc, tac. Et tac. On essaie de couper l'ligne de vie, mais bon, s'il vient là, on sait très bien qu'il va taper ici. On fait ce qu'on peut. Oh! Alors lui... Ah, il est pas feu? Ok, c'est un brain. Mais que dis-je? Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas de brain là. C'est... Non, parce que j'ai vu le Muldo, il était un peu couleur feu. Je me suis dit, il est feu. Je suis un tarlé ouf. Bon, ça veut dire qu'il est pas feu. Il va avoir besoin de ses lignes de vue pour taper. Ça, c'est plutôt cool. Comme information. Alors, tac. Je pose mon oblat, je le pousse là-dedans. Vas-y, on fait ça. Ensuite, je vais chercher à me couper des lignes de vue. Mais bon, il va me choper quand même par la nuque. Hop, hop, il n'y a pas beaucoup de résistance, ça veut dire que il y a moyen que je le ferai dans peu de temps. Là, il va mettre deux taupes normalement. Ah là là, Opsi White, si tu savais. Si tu effectues une erreur devant tous les coups d'heure de l'extrême, tu vas te faire fouetter. Alors, tac. Hop, il m'enlève un petit PM. Ça, c'est un peu relou, mon pote. Mais bon, mon pote à la compote. Ah, non, c'est bon. Ah, enfoiré. Comment je vais faire là? Parce qu'il va se sauver ici. C'était évident. C'était évident. Jean-Claude, c'était évident. Alors, s'il court jusque là, il m'a.
Je fais ça, je pose une caouette là. Il m'a pas. Attends, tac, tac, tac. Non, faut que je pose une carotte devant moi en vrai. Alors attends, si je fais ça. Je pousse mes bombes comme ça, je lui bloque la ligne de vue là-bas, on est d'accord? Ok. Si j'avance comme ça, je pose ma carotte là. Il m'a pas, on est d'accord. Je protège ma bebon. Je lui mets un petit désenvoûtement, tranquillement à base tranquilloude. Donc là, il peut pas me toucher là. Ok. Flèche enflammée. Ah non, aussi, il peut me toucher d'ici, que dis-je? Ouais, mais tu vois, là, il s'expose aux bombes! Ça va chier, ça va chier. Là, je suis concentré. Là. Me tue pas, me tue pas. Oh, 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 oh. Survie, 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 survie. Vas-y, mon gars, vas-y. Non! Tout met pas ça, mais tout met pas ça, putain. Oui, c'est bon, j'ai esquivé. J'ai quand même 49, hein. J'ai quand même 49, faut pas se foutre de la gueule. Mais attendez, mais. Il est fou. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Attends, je viens de rêver là. Là, je viens de rêver. Là. Je viens de rêver. C'est sûr, je viens de rêver. Est-ce qu'il viendrait pas te donner ses fesses en staying alive? Est-ce que là, franchement, il a pas envie que je la dose comme ça vers moi? Que je lui caresse l'œil et que je lui dise clic clic stop! Dans sa nuque, hein? On passe à autre chose. On passe à autre chose, c'est bon. On ne reste pas sur des trucs comme ça. Je sais que c'est pas beau aux yeux de la France, des attentats pareils, mais on enchaîne sur un troisième combat. Est-ce qu'on finirait pas cette petite vie des coudes avec un 2 sans 3, jamais 2 sans coude, évidemment, avec un petit éca flip 186. Moi, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen d'effectuer ça. Donc, je vais mettre un petit bouclier parce qu'en fait, avec les éca, je cherche à tout le temps jouer la distance. Tu vois, parce que si je joue pas la distance, il m'arrache les fesses. Donc là, je viens de lui prendre l'initiative comme une petite salope. Ouais, ben, je sais. J'emploie un terme un peu violent, je sais, oui. Mais c'est un peu ce que je viens de faire quand même. Donc, tac, il a quand même 30% feu. Hein. Ça va être un peu torride. Il a 4000 de vie aussi. Ça va être très torride. Ça va être chaud. Chaleur tendance. Donc, à mon avis, s'il a des résistances assez potables comme ça et un taux de vie assez élevé. Sur l'échelle de Richter, on va dire 9 sur 10. Je pense qu'il ne doit pas taper non plus des masses. Mais étant donné que j'ai des résistances de Pakistanais dans la rue avec 2-3 vêtements déchirés et un bras coupé pour gagner un peu de sous en faisant la manche, il y a moyen que je me prenne des claques. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le gifler avec mes bombes. J'espère pouvoir lui faire du sale. Donc comme d'hab, je pose ma bombe là. Celle-là, je vais la rétorquer dans le coin. Là, s'il descend, tac, non, il m'a pas. Mais je pense qu'il va focus les bombes. C'est ce qu'un éca flip fait souvent, hein. C'est relou, mais c'est comme ça, je sais. Ouais, je sais, si tu joues roublard, tu me comprends. Tu comprends ma tristesse, mais bon. Alors, il passe par le haut, pourquoi faire? Pourquoi il fait ça? Peut-être que s'il vient par là, il peut me récup. Ouais, je pense qu'il peut me récup d'ici. D'ici, il me récup Mara, je pense. Mais le problème, c'est qu'il a que 3 PM là. Peut-être d'ici, il me récup? Non, d'ici? Non, je sais pas. Ouais, je crois que d'ici, il y a moyen. Il y a peut-être une ligne de vue. Mais il en a rien à foutre. Donc, c'est l'essentiel. Oh. Dis donc. Tu veux te calmer, mon pote? Comment ça, tu m'invoques des petites arachnées comme ça, assez solides? Bon, je vais faire ça. Je vais cocher un boost pour pouvoir effectuer le plus d'actions possible. Tac, comme ça, on est bien. Ça, on est bien. Eh, je me donne même une bombe feu. J'en ai rien à foutre. Je m'en cale le sgeg. Alors, si je me mets là, il va pouvoir me griffe. Si je me mets là, il va moins pouvoir me griffe. Donc là, il y a moins qu'il descende. S'il descend, je tente l'attentat. Rien à foutre. Tour 4, je tente l'attentat. Me dis pas qu'il va passer par-dessus le chaffer fou. Il va pas faire ça à son petit ref quand même. Tu l'as pas invoqué pour le tuer quand même. Fais pas le con. Ah non, il va griffeuse ma bombe. J'espère qu'elle meurt pas. Elle va mourir. Non, je comptais sur elle pour faire un attentat, mais c'est pas grave. Attends. Donne des PM à son chauffeur, ok. C'est une technique comme une autre. Ah putain, je suis triste. Alors, pour le mettre dans un mur de bombe, le petit gamin, là. On va faire ça. Ça. Moi, je vais venir là. Je vais faire ça. Et puis, on va faire ça. Hein. On va le bloquer comme ça. Hein. Ensuite, je chope une ligne de vue pour protéger ma bombe. Comme ceci. Il a 11 PA, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer par-dessus la bombe, la tuer en un coup et venir me gifler. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Esprit, griffeuse, ou même destin, double destin, je dirais. 50 dommages, oula. Si je conserve cette bombe et qu'il ne tacle pas, mais sauf qu'il a 55 de tac, il va me tacler. Pourquoi j'espère des choses qui vont pas se passer? Ah d'accord. Ok, non mais tout à l'heure il a fait moins 300, là il fait moins 630. Est-ce qu'il vient de se booster? Évidemment que non.
C'est peut-être parce qu'il avait tapé sur une case en moins. Mais moi, je suis mort dans le film. Là. Parce que là, je vais me faire encercler par toute sa petite équipe. Voilà. Hop. Je l'ai dans le cul. Je l'ai clairement dans le cul. Hop. Hop. Je cherche à me soigner. Hein. Voilà, je vais aller par là. Il sait très bien que je suis là. Il va me péter le boule. Il a pile les PM en plus pour venir me mettre une petite... Il a pile, il a... Il est yimbe. Il est 50 dommages encore. Bah, arrache-moi les fesses, vas-y, qu'est-ce que tu que je te dise. Oh, il met un chaleur fou. Parce qu'il croit que je suis là. Mais non, arrête tes bêtises. T'es sottise, Gogeta. Bah, voyons. Bah, tout de même. Bon, j'ai mis un petit bouclier qui m'avertit des dommages de loin. Mais il va taper ma bombe. Non, non, il va me faire une petite griffe. Petite griffe comme les aime. Voilà, ça fait ça. Ça me pique les fesses, mettre en coude. Entre nous, mettre coup d'heure, acquiesce un peu les coups. Passe ton tour aussi, ça va m'énerver. Voilà. Le chat, il se tape sur la carotte. Il tape avec la carotte, c'est pas très grave. Lui, il gêne le passage, ça c'est cool. Est-ce que je chaperais pas ma petite ligne de vue comme ça là? Mais bien sûr que si. Évidemment que si, putain. Je cale une bombe comme ça, je me mets une haut comme ça. Ah là là, qui va remporter le match, je ne sais pas. Mais là, ça s'avère compliqué, hein. Quoique, sur une erreur de placement, une erreur de calcul, là il a 15 en feu, en pourcentage de résistance. Oh, l'esprit fait là le truc, hein, rien à foutre. Ah, il va prendre la zone, bombez-moi. Mais est-ce qu'il va coller la bombe? Parce que s'il colle pas la bombe, elle va prendre les réductions. Et j'espère qu'il la tue pas. Mais vu qu'il va taper centralement sur elle, il va la... Ah non, il s'en... Ah, ok. Ah oh, bah ok. Non, il veut me niquer, c'est bien. Il veut me niquer ma race. Ok, donc si je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais pas pouvoir le bot en fait. Ça, c'est ça mon problème majeur là. Ok. Je cherche du soin et je me tire. Me tire! Je me casse! Ouh! Laisse ma bombe, s'il te plaît. Viens, approche-toi, fais un truc sensuel que je te mette à pâté, là. Devant tous les coudeurs, là, qui soient un peu contents de voir un cric-cric d'ouf encore. Je crois que j'en ai déjà fait 3, non? Oh, il va me rusher, là. Laisse la bombe, laisse la bombe. T'inquiète, Là, il a 3100 de vie, il est confiant. Je suis sûr, il est confiant, là, il va se ramener de ouf. T'es confiant ou t'es pas confiant, frérot? T'es confiant? T'aurais jamais dû. A-B, under B. De me dire, je fais quoi? Je prends une assurance vie. Je fais quoi? Je coupe la caméra parce qu'il va me lyncher. Je coule, je sombre. Je rentre dans mon siège. Je suis menté. Et au final, j'ai mis un clic-clic pour le bien-être de vos yeux, mes petits coups d'œil. C'était Médoc. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Pour le petit week-end tranquille, ça coule de source. Putain, je suis heureux. Je m'embrosse la joue, putain. Putain. Merde, c'est sale, c'est vrai. Eh, fais pas le butter. Descendre du coup bleu sur le pouce bleu, ça prend 2 secondes. A bientôt.